C'est vrai qu'aujourd'hui, cette controverse entre Demaison et Chamonix, là, les jeunes guides de Chamonix ne la comprennent pas, quoi. Parce que pour eux, Demaison, bah, c'est tout celui qui les a fait rêver, quoi. Et c'est ça qui est assez amusant, c'est que, comme vous dites, la réussite, même à Chamonix aujourd'hui, Demaison, les jeunes guides d'aujourd'hui ne critiquent pas Demaison. Ça concerne les vieilles générations de guides qui connaissent toutes ces histoires. Les jeunes guides aujourd'hui, s'ils sont guides, la plupart, c'est ce que dit Profil, si je suis guide aujourd'hui, c'est grâce à Demaison. La question se pose et son refrain n'est pas sain. Celui d'un fait divers qui traîne en longueur. Deux hommes sont bloqués sur une vire depuis 5 jours à 80 mètres du sommet. Un bivouac forcé. Ils ont fait le plus dur, mais ils n'avancent plus. L'un bouge encore et se manifeste par des signes désordonnés. L'autre est immobile, allongé, invisible sous une toile de tente. Voilà les seuls renseignements qu'ont pu rapporter les équipages qui ont pu approcher les deux alpinistes. Donc j'ai essayé de reconstituer le plus fidèlement possible ce qui a pu se passer dans cette paroi des Grandes Jorasses, mais aussi qui fut, on va dire, le temps fort, on va dire, l'apogée de la vie de René Demaison, parce que 2 ans après le drame, il revient et puis il veut finir cette voie qu'il n'a pas terminée, où il s'est arrêté à 80 mètres du sommet. C'est ce grand fait divers qui a achevé de placer un petit peu au firmament la notoriété en montagne. C'est vrai que Demaison, finalement, est plus connu du grand public pour ses grands secours. Le premier, où il était acteur, en 1966, où il va chercher 2 Allemands, et il est en rivalité avec les institutions du secours à Chamonix, et donc il leur souffle les 2 victimes. Et le deuxième, où là, il est victime, et lui, très vite, va faire le lien avec ce précédent secours, où un contentieux était né avec les secouristes officiels à Chamonix, et donc ça va être toute sa théorie de faire ce rapprochement en disant que si Gousseau est mort, si moi j'ai failli mourir, c'est qu'on m'a voulu me faire payer le secours de 1966. Secours où, en plus d'avoir organisé cette ascension en franc-tireur en parallèle et en concurrence des secours officiels, il a en plus médiatisé l'intervention puisqu'il avait vendu les photos à Paris Match. L'homme qui semble être debout porte un bonnet blanc, un anorak bleu nuit. Demaison, 40 ans, la force de l'âge, une opiniâtreté proche de l'entêtement, le plus grand alpiniste français rompu aux courses contre les tempêtes. Ou Gousseau, 24 ans, la jeunesse pour lui, mais l'inexpérience des hivernales. La grande médiatisation, l'ultra-médiatisation, elle commence véritablement avec lui, puisque les médias, c'est un outil dans sa stratégie. Il a écrit un livre qui est son manifeste, qui s'appelle « Professionnel du vide », c'est-à-dire que à l'époque, la plupart des guides ont une autre activité, ne vivent pas que du métier de guide, sont aussi agriculteurs, moniteurs de ski. Lui a fait le choix de vivre, d'être professionnel de la montagne, je crois que c'est le premier véritablement qui vit de la montagne autrement qu'en emmenant des gens en montagne. C'est-à-dire qu'il faut médiatiser ses ascensions, ses exploits, il faut qu'il vende des exclusivités avec les journaux, il faut qu'il lance ses marques de matériel et les conseillers techniques, donc il développe toute une palette d'activités qui lui permettent de vivre de ses ascensions. Le Puma 330 du Sud Aviation envoyé par le ministère de l'Intérieur a donc effectué une tentative à 7h20, mais là-haut, après 55 minutes de vol et de surplace, Éole, dans sa grande indifférence, s'est remis à souffler à 80 km/h. Et l'appareil s'est avéré trop lourd. Alors, mais c'est là où on peut lui reconnaître ce mérite à Demaison, c'est que tout ce qui lui arrive, ben, il va bouleverser le fonctionnement du milieu de la montagne. Déjà avec le secours, après 66, déjà une première évolution, avec une direction commune des secours. Et surtout 71, après le drame des Grandes Jorasses, où on voit qu'il y a un contentieux entre le milieu chamoniard, les gendarmes qui à l'époque, les gendarmes sont qu'en second plan, c'est encore les guides qui font les premières interventions. Les gendarmes, ils sont en haut, ils tiennent le treuil, et au bout du treuil, c'est les guides de Chamonix qui vont chercher les alpinistes en perdition. Et après l'affaire Demaison, justement, dans ce souci de dépassionner, de déconnecter des problématiques locales, il va être décidé de créer cette institution qui s'appelle le PGHM, et qui est une autorité publique d'État,
pour assurer un service public du secours. Et ça, on le doit en 58 à deux maisons et en 60, à Vincent d'Henri et en 71 à deux maisons. Voilà. Au centre-ville, il pousse la porte de chez Mélanie, le bar de la place de l'église. Alors, ça en est où pour deux maisons ? L'interpelle un collègue de la compagnie accoudé au comptoir. Toujours rien. Tu veux mon avis ? Il a monté une opération de survie de maison, qui va lui rapporter BZF, et c'est ses comptes journalistes qui marchent dans la combine. Mais oui, il amuse la galerie pour sa promo, renchérit son collègue reposant son verre de blanc. Seulement là, c'est l'envie d'un compagnon qui l'a mis en jeu. Dans la salle, un client, petite lunette et regard madré, s'échappe de la lecture de son journal pour se mêler la discussion. Il connaît bien les deux guides et leur aversion pour deux maisons, sans nuance. Moi, je dis que c'est surtout Herzog et Devoissou qui mettent peu d'enthousiasme à aller le chercher. Mais on les comprend. Ils veulent lui faire payer les secours des Drus quand René avait soufflé les deux Allemands et avait parlé dans les journaux aux côtés des rescapés. « Comme il y va, l'instit !» réagit l'un des deux guides, regardant l'autre sceptique. Dans ce dialogue de comptoir, la haine affleure. À Chamonix, il y a ceux, nombreux, qui dénoncent les foucades de deux maisons, matamores pour les uns, héros pour les autres. Et puis les tenants de l'autre thèse, ceux qui doutent de l'efficacité d'un système de secours à bout de souffle, alors que les alpinistes affluent d'année en année et se mettent même à grimper en hiver. Alors, il y a eu des journalistes qui ont eu un rapport privilégié, comme Brincourt. Bien, 3 ans avant les Grandes Jorasses, en 68, il y a peut-être l'ascension, là, je crois que ça n'a jamais été refait d'ailleurs, où sur RTL, De Maison fait la première du linceul aux Grandes Jorasses avec matin, midi et soir des vacations radio. Il est en direct à la radio, il commente sa première. Il a brisé les tabous, il a cassé les codes, des choses que ici, on est un peu taiseux, même on va dire les guides ou les alpinistes les plus extravertis, les plus expansifs n'osaient pas, lui il osait. Voilà, tout simplement parce qu'il y avait ce principe, c'est que c'était son gagne-pain et puis il en vivait. C'était un insoumis, il voulait pas se plier à une... Bon, ce qu'il faut savoir, donc, il se fait virer la compagnie des guides parce que quelque part il n'en accepte pas l'étiquette, les codes, les règles. Il se fait quasiment virer de l'ENSA avant, parce que pareil, il est. Parmi les profs de l'ENSA, de l'École nationale de ski alpiniste qui forment les guides, les autres, la plupart rentraient chez eux et puis passaient le week-end tranquille. Lui, le week-end, il allait faire ses premières. Donc forcément, le lundi, il n'était pas toujours au rendez-vous avec ses élèves. Donc il prenait beaucoup de liberté avec le règlement. Et ça, c'est tout son personnage. C'est quelqu'un d'indépendant, d'insoumis. C'est un rebelle, quoi. Il y a eu mort d'homme. La procédure veut qu'on interroge le seul et unique témoin. René raconte. Le samedi 20, nous sommes restés au bivouac car je pensais que Serge pouvait récupérer afin de sortir les derniers 100 mètres qu'il nous restait à faire. Durant cette journée, son état empirait. Vers 11h30, un hélicoptère est venu nous survoler. L'observateur nous faisait des signes avec la main vers le haut, avec son pouce. Je lui ai répondu par un geste horizontal que nous ne pouvions monter et que nous restions sur place. Le lendemain, l'hélicoptère est revenu vers nous par deux fois et nous a fait toujours les mêmes gestes, c'est-à-dire m'a demandé si je voulais du secours. J'ai répondu par des gestes comme la veille. Je me souviens, à la deuxième rotation, j'étais dans la tente de la paroi et j'ai sorti le bras et la tête pour faire des gestes. Il faisait tellement froid que je n'osais pas sortir. Voilà. Et alors c'est dommage, on n'a pas parlé du dévolu parce que c'est peut-être le chapitre que je préfère dans ce livre parce que c'est là où on voit un deux maisons vraiment authentique, pur, un peu... avec débarrasser tous ces scories du regard des autres, c'est le deux maisons tel qu'il est dans ce dévolu caché, sauvage, où il est avec ses amis bergers, son grand ami le curé avec qui il boit du génépi. Et c'est un peu loin le deux maisons enfantin, on va dire vierge de tout ça, quoi, sans intérêt, sans.